des acclamations. Je veux le louer. Oh, lève-toi. Faso, lève-toi. Burkina, lève-toi. Burkina, lève-toi. On devient fou. C'est ça. Daniel 6, verset 3. Daniel 6, verset 3. Daniel chapitre 6, et le verset 3 dit ceci. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Mm-hmm. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Mm-hmm. Verset 8. Toujours 6, 8. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Amen. Vous voyez, Daniel avait l'esprit supérieur. Il était le seul homme droit. Aussitôt, ceux qui étaient autour de lui étaient contre lui. Mais comment l'abattre? Il fallait qu'ils aillent voir le roi afin que le roi prenne un décret pour que ce décret-là soit contre Daniel. Il y a des gens qui sont autour, qui incitent le roi. Les autorités là incitent. Eux, maintenant, ils ont la puissance parce qu'ils savent que si le décret, ils vont avoir la puissance. Il était le seul homme droit. Il veut diriger le roi dans sa justice. Les autres sont jaloux. Ils sont méchants. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont comploter contre Daniel. Et le roi va prendre un décret afin de condamner Daniel. Maintenant, une fois que le décret est appliqué, maintenant les puissances sont en marche. Daniel est là, il est pris maintenant au feu, on dit, roi, selon ton décret, Daniel ne respecte pas. Il continue à prier ses dieux. Le roi dit quoi? Il veut dire quoi lui? Prenez-le et mettez-le dans la fosse au lion. Voilà comment ils agissent. Regardez bien. C'est pourquoi vous verrez que tous les gouvernements, quand ils veulent prendre un décret qui n'est pas bon, c'est-à-dire ils veulent faire d'abord passer ça par une loi. Ça ne s'est pas arrêté à Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego ont subi le même sort. On a dressé une statue. On dit il faut l'adorer. Eux, ils disent ils n'adorent pas la statue. Je vous ai dit que le roi, si lui crée, s'il est le roi, il dit voilà aujourd'hui, cette statue est votre Dieu. Tout le peuple adoré là. Tu vas dire quoi? Si tu ne l'adores pas, on te tue.
Les enfants ont dit, ok, si c'est ça, il faut nous jeter au feu. Mais ce qui est sûr, sache au roi, que nous ne nous inclinerons pas devant ta statue. Nous nous inclinons devant Dieu seul. Maintenant, le Dieu là, que nous nous servons là, il est capable de nous délivrer des flammes. Cependant, s'il veut nous laisser périr là-bas, il est Dieu, ce n'est pas grave. Ils ont pris les enfants, ils ont jeté dans le feu. Frère, quand le roi lui-même, son cœur tape, il dit, ouvrez la porte et puis voyez. On dit, on voit quatre personnes. Et puis il y a un, son visage est comme un fils de Dieu. My God, le feu de Dieu est venu dévorer le feu des hommes. Feu mange feu. Et lion ne mange pas lion. Daniel était dans la fosse au lion. Les lions n'ont pas mangé parce qu'ils ont vu leurs camarades à côté d'eux. Frère, eux tous, ils ont pris un décret contre leurs frères. Toi, tu veux nous dissoudre? Tu veux nous dissoudre? On va te manger. Vous êtes des lapins, vous voulez manger lion. Le lion est resté? Erreur. Le lion de la tribu de Juda. J'ai dit et j'ai redit ici, pour ceux qui ont écouté mon message, je l'ai dit. J'ai dit, quiconque s'élèvera contre le gouvernement de la transition se brisera. La transition là, c'est Dieu qui l'a mise là. C'est pas un homme, hein. C'est Dieu qui l'a mise là. Laissez-les travailler. À la fin, on les jugera sur leur travail. Ces principautés là, et même David qui était un homme selon le cœur de Dieu, Satan a excité David à faire le dénombrement. Principauté. 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 Les hommes de Dieu peuvent faire des erreurs parce qu'ils sont influencés. Les principautés influencent ceux qui sont élevés, ceux qui ont des postes, ceux qui sont influents, ceux qui peuvent déterminer la vie de tout un peuple. C'est eux qu'ils attaquent. Et s'ils ont des faiblesses, regardez Mardoché et Aman. Aman avait une haine. Mais comment détruire le peuple de Dieu? Il va tout faire pour que le roi prenne un décret. Roi, ces gens-là sont des mauvais. Il faut les exterminer. Ok, amène ton truc. Papa, boue. Et il met le décret. Dieu dit, je ne peux plus rien faire pour vous. Mais la seule chose, il faut que vous preniez un contre-décret. Esther, Mardoché dit, ma fille, va voir le roi. Parce que ton peuple va être mis à mort. Esther dit, j'ai plus vu le roi. Il dit, ma fille, sache une chose. Si tu ne fais pas ce que je suis en train de te demander là, ne pense pas que tu seras épargnée parce que tu es la femme du roi. Ça va tomber aussi sur toi. Mais qui sait d'ailleurs, même si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a mis à ce poste-là. Quand la phrase est venue dans la tête de la reine Esther, Esther a dit, ok, ok, je vais rentrer et je vais jeûner 3 jours sans manger ni boire. Vous aussi allez faire de même. Mais quand elle a fait ce jour de jeûne, soutenue par son peuple, dès qu'elle est apparue au roi, le roi même a vu Esther, mais non, c'est comme s'il ne l'avait jamais vue. La go était devenue encore 10 fois plus belle. Esther dit, ok, roi, viens manger à la maison. Et quand elle l'organise, elle dit au roi, voilà ton gars là, il veut me tuer et tuer mon peuple. C'est là qu'Aman voit qu'il a fait une grave erreur. Il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Là, Mardoché dit au roi, nous allons prendre un autre décret que quiconque voudra toucher à un juif, que le juif ait l'autorisation de se défendre jusqu'à la mort. Et le roi dit, ok, défendez-vous. Il a contresigné un autre décret. Et c'est ce qui a sauvé le peuple juif. Vous voyez comment les autorités travaillent? Ils veulent prendre des lois. Ils poussent les gens à prendre des fausses lois afin de détruire quoi? Nos vies. Arracher nos bénédictions. Donc, retenons que les puissances influencent les pensées et les sentiments des êtres humains. Les puissances influencent les pensées et les sentiments des êtres humains. Donc, ils peuvent pousser les hommes à tuer, voler, laisser
libre cours à des actes destructifs. Un décret a été pris. Vous ne voulez pas agir. Ok. On va venir vous frapper. On vous met en prison, les femmes. On vous viole. On vous bat. C'est là. Puisque l'autorité a donné l'ordre. La puissance maintenant saisit l'homme. L'esprit de puissance saisit l'homme. Et l'amène à faire des mauvaises choses. Tuer. Violer. Voler. Dépouiller des maisons. Tout. C'est cet esprit-là. Et comprenez, comme je l'ai dit, ces puissances peuvent même influencer les chrétiens à avoir de mauvaises vies chrétiennes. Ces mêmes puissances-là, ce n'est pas seulement pour les gens du monde, hein, même dans l'Église. Même dans l'Église, la rancune, la haine, la trahison sont gouvernées par ces esprits-là. C'est pourquoi Dieu n'arrête pas de nous dire, Jésus, aimez-vous les uns les autres. Aie de la considération pour l'autre plus que pour toi-même. Ne regarde pas à tes intérêts, mais regarde aux intérêts d'autrui. Dieu dit, je suis amour, aimez-vous. Soyez prêts, si vous aimez, à donner même votre vie pour votre frère. L'esprit de puissance ne peut pas agir dans l'amour. Dans l'amour, il n'y a pas de haine. Dans l'amour, il n'y a pas de rancune. Dans l'amour, il n'y a pas de violence. Dans l'amour, il y a la paix. Dans l'amour, il y a le pardon. Dans l'amour, il y a la joie. Quelqu'un me saisit ? Donc, cette catégorie-là, les puissances-là, de la hiérarchie de Satan, œuvrent pour détruire la paix et l'amour. Les puissances-là, eux, ce qu'elles veulent atteindre là, c'est détruire la paix et l'amour dans les nations. Par ce que je viens de citer. Retenez une chose, hein, il y a deux mondes. Le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Soit tu appartiens à l'un, soit tu appartiens à l'autre. Il n'y a pas de milieu. L'autre fait la promotion de la haine et de la violence. L'autre fait la promotion de la paix et de l'amour. Et si nous, enfants de Dieu, on ne discerne pas ça, on va laisser cet esprit nous faire du mal. Et cet esprit nous fait du mal parfois. Parce qu'entre nous, chrétiens, sans le savoir, nous nous combattons. Parce que nous ne pensons pas de la même manière. Nous pensons que non, chacun est juste par rapport à la parole de Dieu. Non. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dans le livre de Josué, Josué avait un combat. Vous vous souvenez? Et dans le combat, un ange est apparu avec une épée. Et Josué a dit, es-tu avec nous ou contre nous? Et l'ange a dit, non. Pourquoi l'ange a dit non? Josué, je ne suis pas venu pour toi. Je ne suis pas venu contre toi. Je ne suis pas venu pour l'autre. Je ne suis pas venu contre l'autre. Mais je suis venu pour celui qui fait la volonté de Dieu. 5. Josué 5. Vous comprenez? Donc, Dieu nous dit ici, quand nous sommes ensemble, entre chrétiens, ce que nous devons rechercher d'abord, c'est la justice et la vérité. Parce que Dieu ne se manifeste qu'au milieu de la justice et de la vérité. Donc, si tu es chrétien, quelle que soit ta famille, ton parti, ou bien quoi, où tu es, peu importe, on peut adhérer à quoi on veut, à qui on veut, comme on veut, il n'y a pas de problème. Mais, toi, dans ta marche, il faut que tu marches selon la parole de Dieu, selon la vérité de Dieu, selon la justice de Dieu. Parce que l'ange qui vient pour combattre sera du côté de ceux qui sont dans la vérité et dans la justice. C'est pourquoi l'ange a dit à Josué, non, je ne suis pas avec toi. Si toi-même tu t'amuses, que tu rentres dans le péché là, je vais te chicoter. C'est ce que ça veut dire. C'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu vas te permettre de faire n'importe quoi et puis l'ange va venir te défendre. Détrompe-toi. Détrompe-toi. C'est pourquoi nous devons marcher toujours dans la justice et la vérité. Quand David voyait qu'il était en erreur,
Il savait tout de suite. C'était la force de David. Demander pardon. Venir s'humilier. Oui, j'ai péché. Là, là. J'ai pris la femme de quelqu'un. Et j'ai tué son mari. Là, là. Ouh, j'avais pas vu ça comme ça. Mais de toute façon, tu m'as raconté l'histoire du berger, là. Nathan, prophète Nathan, pardon. Il y va, il écrit psaume 51. Lisez le psaume 51. Oh Dieu, mon père m'a conçu dans le péché, ma mère dans le péché, dans l'iniquité. Vraiment, même si c'est toi là, vraiment, je dois aller dans la poussière. Pardon, oh Dieu. Il a dit, à partir du verset 4, où Dieu dit, bon, mon petit, je t'ai compris. Relève-toi. De David, là, même lui, il dit aux anges, le gars là, il est fort. Hein. Il fait bêtise et puis voilà. En plus, il va faire, et puis le roi va sortir de sa bêtise là. Oui, Salomon est sorti de sa bêtise. Allez comprendre Dieu. Pourquoi? Parce que David était humble. David aimait Dieu. David respectait Dieu. Écoutez-moi. Deux fois, Dieu a donné à David l'opportunité de tuer le roi. Dieu l'avait déjà rejeté, Saül. Mais le fait que Dieu... David a sait que c'est Dieu qui a mis Saül là. Il dit, j'ai osé même toucher la robe, couper le roi. Le cœur de David là tape, pim, 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 pim. Il va au loin. Il crie, oh Saül, Saül, tu vois, j'aurais pu te tuer, mais... Saül commence à pleurer. Oh David, mon fils, tu as eu pitié de moi. Il dit, moi, je ne peux pas toucher à un oué parce que ce que tu fais, on te fera. Si David avait tué Saül, Absalom aurait tué David.